of GRF, our collaborators and sponsor, and say, you make it happen. However, you will agree with me that despite the actions that all NGOs are doing for persons with disabilities, we shall not go a long way if the rights of this person with disabilities are not recognized by the authorities. As you are aware, the Conventions for the Rights of Persons with Disabilities, ratified by Mauritius, requires that the country ensures the full enjoyment of human rights by persons with disabilities and enjoy full equality under the law. GRF is continuing with the sensitization to enact the necessary law. This law, if ever is enacted, will bring a shift from viewing persons with disabilities as objects of charity, medical treatment, and social protection, toward viewing them as full equal members of society with human rights. GRF has already worked on a draft bill and has handed it over to the relevant authority. I must say, GRF will not let down persons with disabilities. The fight is not over yet. Ladies and gentlemen, the creation and achievements of GRF is due to the credit, the vision, the leadership, and the courage of one person, Mr. Arumugam Pasuraman. I have known him since 1974, when we were students at the University of Mauritius. He has had a very fruitful political career as district councillor, members of the National Assembly, and Minister of Education. Everyone knows that he is a reference in the successful reforms brought in the education sector. He also had a brilliant international career at the World Bank and UNESCO. When he retired, he decided to create a foundation to support persons with disabilities and the poor. Let me say, the average normal person would have sit back and enjoy retirement and pension. But Mr. Pasuraman is a man of conviction. And when he had decided to help persons with disabilities, both mind and soul to his mission. He is also inspired by great humanists like Mahatma Gandhi, Mother Teresa. He is constantly improving the services delivered by introducing innovative and new services. To end, let me quote Mahatma Gandhi. I quote, "Men become great exactly in the degree to which he works for the welfare of his fellow men," end quote. Ladies and gentlemen, allow me to ask you to give a big round of applause to this exceptional man. So to end, I would say happy birthday to the Global Rainbow Foundation, and thank you. Now, ladies and gentlemen, to continue with our program, we would play a video on GRF history and achievement from the years 2011 up to date 2020. This video will show the gradual growth of GRF, as well as expansion of its activities. There are numerous achievements of GRF. So I invite you to watch together this video on the history of GRF. En 2011, quand on prend mon retraite depuis l'UNESCO, on retourne Maurice, mon film fait beaucoup de réflexions sur ce qui m'a pu faire après mes 60 ans. Et nous finissons enregistrer Global Rainbow Foundation le 11 novembre 2011. Et pour moi, avec ça,
création Global Rainbow, c'est comme des enfants qui naissent. Nous commençons dans un bâtiment bien modeste à Périvert. Et petit à petit, nous avons une personne. Nous commençons par une parole d'activité, surtout, ou une parole qu'on dit à 25 school teachers. Et nous faisons installer dans la rente, et faciliter l'accessibilité à nos enfants. Mais c'était que le 30 juin 2012, nous faisons l'inauguration officielle de la GOF. Et ça nous fait ça en grande pompe au Indira Gandhi Center for Indian Culture à Phoenix. GOF, avec collaboration bien BNPSS, un ONG de l'Inde, je commence à faire broder mon russe. Je commençais à prendre tout ça en 2013. Et premier prothèse du chauffeur, c'est le 24 décembre, dans M. Tarik. Commençons ma technicien, je fais sur le je vais venir au des fois par an pour fabriquer prothèse. Et à chaque fois, je peux donner environ 150 euros. Mais puisqu'il demande là, tout le temps peut augmenter, nous décide pour créer une nouvelle groupe technicien Maurice. Et nous avons 3 techniciens dans l'Inde pour apprendre. Et quand on est retourné, nous commençons à faire fabrication tous les jours. Et à ce jour, nous donnons puisqu'il 2000 prothèses à nouvelle bénéficiaire. Prothèse qui basée sur un pied ou un armée qui nous peut donner, mais c'est aussi un nouveau lavis qui nous peut offrir à nouvelle bénéficiaire. En 2014, GOF trouve un centre à Kanyoluf pour aider un jeune en situation d'handicap. Là-bas, nous pouvons offrir un service médical, mais aussi training pour qu'il nous bénéficie de la vie. Et depuis une autre création, Global Rainbow Foundation, nous offrons ce qu'on appelle assister les devices. Par exemple, un fauteuil roulant, un fauteuil roulant manuel, un fauteuil roulant motorisé, une canne blanche. Et nous donnons plus de 1000 assister les devices. En 2016, l'association Dr. Prabha Gavaran Charitable Trust fit offrir à nous le complexe qui nous était installé là à Petit Raffray, anciennement Gandhi Ashram et maintenant Gandhi Sarvodaya Kendra, pour Global Rainbow Foundation, son headquarters, et on vous a dit qu'il nous fit faire. Pendant ces 10 ans-là, un parcours qui fait permettre nous tous beaucoup de personnes en situation de handicap. Au moins 5000 personnes nous sont capables d'accompagner, que ce soit prothèse, que ce soit une sèse, que ce soit une réhabilitation et plusieurs types de services nous sont capables d'offrir. Et dans l'année à suivre, GRF il expande à 8 bureaux régionaux, à Roseville, Maïbou, Belle-Rose, Unionville, Chemin-Grenier, Souillac, Roderick et à New Delhi. En 2019, grâce à l'Union européenne, le projet Enable Mauritius peut aider beaucoup bénéficiaires à travers Maurice et Roderick. Il a 6 objectifs au projet-là, c'est fabrique prothèses pour faire une personne avec amputation, service de réhabilitation, training pour l'emploi des personnes en situation de handicap, capacity building pour une ONG dans le secteur disability, mais aussi organise un medical camps et organise une campagne de sensibilisation sur les droits des personnes en situation de handicap. Et nous remercions EU et grâce à The Support, nous réussissons à mener le changement dans la vie de nos bénéficiaires. Pendant les 10 ans que nous servions à la communauté de personnes en situation de handicap à Maurice, nous avons réalisé qu'il nous avons besoin de faire beaucoup d'efforts, beaucoup de combats pour capable rétablir les droits légitimes, fondamentaux. Nous pouvons continuer à faire plaidoyer au gouvernement pour amener la loi, mais nous-mêmes, nous travaillons pendant un an pour produire et poser des lois qui vont l'expert qui vient. C'est un projet de loi qui est prêt, qui est capable d'amener le Parlement, mais certainement, le gouvernement est capable d'amener le sens qu'il trouvait. Là-dedans, nous souhaitons, nous, à l'occasion du 10e anniversaire Global Rainbow Foundation, c'est que le gouvernement, le ministre de la Sécurité sociale, présente ça la loi pour les personnes en situation de handicap, ça la déla dans le Parlement. Nous proposons un master plan pour Global Rainbow Foundation pour l'année 2021. 20 ans, pour 10 ans, master plan, parce que nous avons envie de préparer pour continuer cette mission-là dans les années à venir. Et
Xavier et moi-même, personnellement, comme fondateur Global Rainbow Foundation, continuer à améliorer nos services et rester à la disposition de la communauté. Hope you have enjoyed watching the video. You have been able to learn the journey of the Global Rainbow Foundation. Now, I would invite you to listen to the speech of Mr. Boswaman. But before that, let me just introduce him. I think Mr. Boswaman needs no introduction, but just to remind his personal achievements. He's a founder president of the GRF. As you know, he's a former minister of education, arts, culture, and science in Mauritius. He was a senior advisor at the World Bank, 1997-1998. He was also director of UNESCO in Paris, Senegal, and India. Excuse me. He is also the founder president of the University of Third Age Mauritius. He was conferred an honorary doctorate by the governor of Tamil Nadu, chancellor of the Tamil University, for his contribution in the field of education in October 2019. He was nominated as regional representative for Africa at the Commonwealth of Learning Board of Governors in 2019. So I invite you to listen to the speech of Professor Arumugam Boswaman. Thank you very much, my good friend and colleague, Doreen Fong Wang. Well, Your Excellency, former President of the Republic, my respected elder, Mr. Kassam Yutim, the former Vice President of the Republic, another respected elder, Mr. Rauf Bandan, Mr. Robert Banamwana, Strategic Planning Officer, Team Leader, Office of the UN Resident Coordinator, Mr. Philippe Ballin, who is our partner from France, President of Henincap and APIESO. I would also mention, in absentia, His Excellency Mr. Vincent Desjeyer, Ambassador of the European Union to the Republic of Mauritius, who has addressed us a video message as he's taken up today with the political dialogue with the government. I would like also to welcome all of you, distinguished guests, and also all the staff of Global Rainbow Foundation are here, all the beneficiaries, all our sponsors, and all those who have made GRF what it is today after 10 years. It is with deep emotions that I'm addressing you today. And with your permission, I will switch on to Creole just to get my message across the whole nation. Le 11 novembre 2011, c'est un jour historique pour moi et aussi pour Global Rainbow Foundation. Je veux dire, je prends ma retraite en 2011 depuis l'UNESCO et quand on rentre Maurice, au final, j'ai une inspiration, une intuition qui me dit à moi maintenant, j'ai un devoir de give back to Mauritius. Et ça finit venir à travers l'instrument Global Rainbow Foundation, qui m'a fait une setup le 11 novembre 2011. Et pour moi, c'est la naissance d'un bébé GRF. Et aujourd'hui, quand nous pouvons célébrer ce 10e anniversaire, c'est avec beaucoup d'émotion qu'il me fait adresser parce que c'est l'idée qui me tient
une mission qui m'a entreprendre et tenir pendant 10 ans et tous autant de personnes en situation de handicap à votre bonheur, à votre joie, à votre sourire à l'autre figure. C'est ça, plaisir qui m'en a, contentement qui m'en a dans mon équerre pour sa mission qui me parcourir. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais vous allez dire qu'en guise d'introduction, si Global Rainbow Foundation il récit faire sa long parcours là pendant 10 ans, et surtout Marc, sa présence au niveau Maurice et la région, dans les pays de la région, et aussi en Afrique et en Inde, c'est parce qu'ils nous gagnent beaucoup de soutien, de blessings. Et là, moi, je suis content de saluer la présence parmi nous de nos anciens présidents, M. Kassamoutim et M. Raouf Bandan, qui finissent dès le commencement de la création de la fondation, finissent avec nous. Finissent donne-moi des blessings, des encouragements, et ça finissent donne-moi. Et sans doute, il y en a les autres aussi, vous allez dire Ramdad Jadou, Chris Pounoussami, et tous les autres qui finissent encadrer Global Rainbow Foundation. Tout ça finit de nous courage, l'énergie et détermination pour capable amener sa mission-là vers ce succès. Alors, je vais brièvement présenter un petit peu DRF. Alors, j'ai eu l'occasion de ta vidéo là qui donne un petit peu qui nous parcourir. Alors, Global Rainbow Foundation, sa mission principale, c'était Educate, Empower, Enable. Et nous l'emphase, c'était servir une personne en situation de handicap. Qui fait à mon choisir ce groupe du monde là? Parce qu'il a l'expérience, Maurice et international, fin convient moi, qui ben du monde qui plie. Vulnérables dans la société. Bandi moun qui dans le monde entier, à ce jour, on a 1 milliard de personnes en situation de handicap dans le monde. Je n'ai pas gagné le même sens qui ban les autres. Et donc, si moi, pour consacrer mon énergie, mes efforts, moi, je préfère choisir ce groupe de personnes-là et consacrer tout mon temps, mon énergie pour capable pour réussir servir eux. Et là, avant mal pris là, j'ai besoin de dire que Global Rainbow Foundation a commencé avec des membres personnels. C'est là dès le commencement, quand on a commencé en 2011, peine ressources. Mais en cours de route, à partir de deuxième année, troisième année, nous avons un CSA et un sponsor qui nous soutenir nous. Et aujourd'hui, nous sommes capables de faire une série d'activités. Mais mon mot spécial pour un staff. Nous commençons avec un petit groupe, mais aujourd'hui, nous avons l'équipe de 50 employés permanents et qui se donnent corps et âme pour contribuer à sa mission de Global Rainbow Foundation. Et une fois que je viens dans Global Rainbow Foundation, je veux dire, je partage sa même valeur, je partage sa même engagement, sa même sens de compassion pour capable servir à une personne en situation de handicap. Et ça, je veux dire, c'est un label qui nous est là. C'est un asset pour Global Rainbow. Tout le monde qui vient contre nous, après qu'ils ont gagné leurs soins, ils expriment leur appréciation. Et là, je suis content de dire à tout le monde, staff, sans distinction, je remercie parce que grâce à eux, leur engagement, leur soutien, nous sommes capables de garder sa haute reconnaissance pour Global Rainbow Foundation dans nos pays. Mon mot spécial aussi pour mon camarade Dorine Fongweng, qui m'a rappelé nous, mais les trustees de la Global Rainbow Foundation, nous étions ensemble l'Université Maurice en 1974 et 1977, et quand il prend sa retraite comme Senior Chief Executive Officer du bureau du Premier ministre, il finit après moi pour dire moi, il a envie de join pour give back. Et voilà, aujourd'hui, comme un trustee de Global Rainbow Foundation, il peut donner un coup de main extraordinaire pour nous capables de continuer avec nos missions. Alors, ainsi, survol le développement qui DRF connaît, nos headquarters à Petit Rafoué, mon un mot de remerciement spécial pour mon ancien collègue
feu Dr. Biagunath Garbaran, qui finit une grande vision pour créer sa Gandhi Ashram ici. Et aujourd'hui, la famille Dr. Prabha Garbaran et Nista Garbaran, ils ont fait mettre des complexes à la disposition Global Rainbow pour nous capables de servir à une personne en situation de handicap. À part nous, quartier général ici, nous avons un bureau à Belle Rose, un bureau régional à Rosil, à Maïbou, Souillac, Rivière Noire, en partenariat avec collectif Rivière Noire. Bientôt, nous pouvons un nouveau bureau à Béditombo, nous avons la ferme Rodrigue, et nous avons aussi un bureau avec un camarade dans l'Aisne, à New Delhi, pour que nous soyons capables de servir l'Aisne aussi. Nos missions principales des Global, c'est réhabilitation, nous avons un centre de réhabilitation, et nous aussi, offert un assistive device à un individu dans le cadre de nos Europe Initiative. Notre département de fabrication de prothèses, Jaipur Food Department, c'est un département qui donne aujourd'hui au moins 2000 amputés de prothèses, les pieds, la main, orthèse. Et nous aussi faire réparation wheelchair. Nous avons un département de communication et marketing, un département qui nous permet beaucoup l'emphase, training, research and development and innovation. Là, c'est la formation des personnes en situation de handicap pour qu'ils soient capables de gagner une possibilité d'emploi dans notre carrière, dans notre vie. Nous aussi faire un outreach programme. Là, dans le terrain, nous allons faire un medical camp tous les mois dans une région défavorisée grâce à un projet avec l'Union européenne. Pardon. Et nous aussi faire un medical visit pour un monde bedridden qui n'est pas capable déplacer, nous allons gagner toute la carte pour faire d'autres services. Et nous avons nos départements HR et finances. Alors, je veux dire qu'il y a une priorité qui nous fait depuis ça 10 ans là, parmi et dans sa la loi qui nous travaille, nous préparons un projet de loi qui nous soumet au gouvernement et tout le député de Parlement et tout le ONG, un projet de loi qui fait un travail avec beaucoup de sérieux pour un juriste mauricien et international, et nous offrir ça au gouvernement comme une contribution, et nous souhaiter que le gouvernement amène ce projet de loi-là dans le Parlement au plus vite possible. Ça, c'est un souhait de Global Rainbow Foundation, mais aussi pour nous la prière et pour nous combattre. Pendant aussi longtemps qu'il n'a pas venu dans le Parlement, nous pour la guerre, nous pour amener combat, parce qu'il sent un projet de loi. Nous ne sommes pas capables de soutenir une personne en situation de handicap, donner une dignité et des droits fondamentaux. Nous finissons aussi montrer valeur à une personne en situation de handicap en lançant une initiative l'année dernière, en 2020, nous faisons iRise 2020, il y a 20 personnes là-dedans qui racontent notre parcours. Et cette année-ci, nous pouvons lancer aujourd'hui iRise 2021, côté 21 personnes qui nous accompagnent, d'autres histoires, et pour profiter pour inviter la population. Faites un devoir, prenez une copie de ce livre-là, vous trouvez qu'il y a abilities au lieu d'être handicap. Nous finissons aussi, une nouveauté qui nous finissons faire récemment, c'est nous finissons acquérir une van spéciale adaptée avec la rampe à l'extérieur automatique pour qu'il y ait une personne qui vienne mettre soin contre nous. Je n'ai pas besoin de prendre un taxi nécessairement et tout n'est pas inconvénient. Nous vendons pour le CSE de la case, pour amener les autres dans le centre de réhabilitation et pour retrouver les autres après avec toute la clé confort qu'ils ont pour gagner. Ça, c'est une initiative maintenant libre disponible pour nous bénéficiaires. Nous finissons aussi lance nos propres DRF TV, DRF Web TV, un studio qui nous finalise. Et bientôt, nous pouvons inaugurer ce studio-là qui vous permet Global Rainbow Foundation communiquer avec la population. Et bientôt, nous pouvons amener un programme qui nous tous les jours pour une émission radio, télévision, pour nous capables d'informer la population et communiquer avec la population. Nous lancons faire l'audit accessibilité pour une grande compagnie et pour la famille aussi qui est bizarre. Et ça, c'est un projet qui peut aller très bien. Nous finissons aussi créer une foot care clinique. Nous envie en peste d'immune gain amputation. Quand on finit amputer nos deux prothèses, mais nous voulons les autres gardes du pied original. Et les foot care cliniques
il y a une clinique qui pour aide beaucoup prévention. Nous venons aussi créer un club food clinique avec un partenariat avec un ONG français, step by step. Et sa food clinique-là, il est unique à Maurice et il peut soigner les enfants qui ont un pied beau. Nous avons aussi créé une laughter thérapie parce qu'il nous voulait qu'il y ait des gens déstressés et nous avons une douzaine de staff qui nous traînent. Nous lance sa laughter thérapie à travers Maurice, dans une école spécialisée, mais aussi avec Madame Home, etc. Et nous avons aussi une unité braille. Nous avons printer et nous produisons un livre en braille, nous printons un livre en braille qui est écrit par nos staff. Alors, nous pouvons innover, nous permettre une nouvelle technologie et je vous trouve l'écran et nous avons un wheelchair, nous pouvons adapter. Wheelchair, je vous remercie Danny pour ça. Nous permettons un bionic hand prosthesis concept aussi et je vous trouve, nous fait recevoir hier. Un nouveau type de prothèse de laine, Kalyan Prosthetics, qui est une avancée intéressante. Nous fait recevoir et nous mettons en exécution. Et un expert depuis Kalyan Prosthetics, Gouvin Maurice, voici la formation de notre staff. Nous, l'objectif, c'est améliorer, servir toute une nouvelle technologie qui est là pour améliorer le service à nos personnes en situation de handicap. Et l'autre grand projet que nous finis, finalisé, mais maintenant nous commençons la construction, c'est un swimming pool, accessible swimming pool, pour faire hydrothérapie. Nous, l'expérience avec hydrothérapie, il y a plusieurs personnes nous aider, mais un en particulier, une madame qui a eu un stroke, grâce à hydrothérapie, elle est capable de faire ce bon mouvement. Et ça, je salue l'équipe physio, aussi docteur qui vient accompagner dans la piscine, et nous réaliser qu'un pool, un swimming pool, l'hydrothérapie, il est bien important, il peut être beaucoup de personnes. Et dans la cour, même ici, là, nous vous construisons un swimming pool qui peut équiper, bien, accessible, qui peut chauffer aussi, qui peut servir toute l'année, et il peut couvrir, qui peut vraiment être quelque chose de moderne, qui peut aider beaucoup dans les soins qui nous offrent. Un autre projet qui nous peut lancer, ça l'année, nous lancer d'ailleurs, nous commencer, c'est Girls Inspire Project, c'est un projet. Je vous ai dit à la Banque mondiale, mais beaucoup l'emphase là, et aussi Commonwealth of Learning et Global pour travailler ensemble avec eux tout pour qu'ils nous assurent que les filles et les madames qui ont un handicap sont capables de former eux et permettre eux de réussir leur parcours dans toute la vie. Et Rodrigue, il reste toujours une priorité pour nous. Et je vous ai dit que nous avons beaucoup d'activités à nous faire, Rodrigue, et dans nos plans. Rodrigue pourrait être toujours prioritaire et nous continuons à accompagner Rodrigue dans parmi les personnes qui sont en situation de handicap. Nous avons une pensée spéciale pour Agalega aussi. Déjà, nous avons deux personnes nous identifiées comme qui ont un handicap et nous accompagnons eux. Et nous avons aussi un représentant Agalega qui est capable de suivre une personne qui a besoin de l'assistance. Alors, avant de terminer, je suis content des autres qui nous pensent. Je réfléchis beaucoup là, je gagne 70 ans, Global Rainbow gagne 10 ans, je gagne de l'avenir et je commence sérieusement à préparer la relève. Mon collègue Dorine me demande un grand coup de main là pour nous faire sa mission, prépare la relève et aussi nous avons l'équipe, nous pouvons traîner nos staff, nous traînons autres déjà, je peux faire notre travail bien, je suis bien sur responsabilité, je voulais que Global Rainbow Foundation continue. Pendant beaucoup d'années encore, qui m'a là, qui m'a pas là, l'Ibizan n'a pas continué à faire sa mission. Et dans ce contexte-là, aujourd'hui, à l'occasion de le 10e anniversaire, on a plaisir annoncer la nation qui nous réalise un master plan pour Global Rainbow Foundation pour l'année 2021-2030. Ça, c'est un master plan qui nous donne une roadmap. Une de nos directions qui nous prend les 10 prochaines années pour soutenir l'activité qui nous fait, pour accompagner davantage les personnes en situation de handicap et aussi pour étendre nos activités au niveau global. Nous déjà travaillons dans les autres pays, mais là, nous pouvons développer davantage. Et ça master plan-là vient vraiment un outil de travail qui nous présente à nos sponsors, nous présente à nos partenaires et
qui nous sommes capables d'exécuter dans les années à venir. Alors, personnellement, pour terminer, je suis content de remercier encore une fois tout le monde qui est associé avec Global Rainbow Foundation. Hélène Keller, qui est une grande personnalité dans le monde handicap, India, je termine par cette citation-là. Alone, we can do so little. Together, we can do so much. Vous pensez que c'est une inspiration, sa citation-là. Et avec ce message-là, je suis content encore une fois de remercier tout. Et à l'occasion du 10e anniversaire, sa bébé qui s'appelle Global Rainbow Foundation, là, je souhaite lui bon anniversaire. Je peux lui donner une bonne accolade parce qu'il vraiment, ils font partie de mon vie et ils font partie de mon mission. Et tout le monde qui peut associer à lui font partie de sa grande famille. Et je prends l'engagement, je réitère mon engagement à l'occasion de sa 10e anniversaire. Là. Depuis l'âge de 60 ans, je consacre moi à mission service. Et aujourd'hui, à l'âge de 70 ans, tout bon l'année qui bon Dieu pour donne moi, il pour service de sa mission là. Et je dis à bon Dieu seulement, garde-moi en bonne santé, garde-moi autant longtemps qu'il y a envie, mais permette-moi, quand pendant qu'il y garde moi, je me casse servir sa mission là, servir une personne en situation de handicap, une personne vulnérable à Maurice et dans le monde. Merci. Thank you, Mr. Pasuraman. And amazing, the long list of activities and projects that the GRF has. Mauritius is indeed blessed to have a person like you to look and care after the disabled. We shall always be grateful for your contribution to our country. Now, I had the pleasure to ask Mr. Robert Banawana, the Strategic Planning Officer, RCO Team Leader, Office of the UN Resident Coordinator, and UNDP, to address you. In fact, we are very pleased for Mr. Robert Banawana to be present among us today. We thank you, Mr. Banawana, please. It becomes a problem. The media, everybody starts to react. But as I've just said, among the population of people living with disability, employment is in some countries as high as 80%. COVID pandemic has made things worse, has deepened these pre-existing inequalities, as people with disabilities are among the most impacted by the virus. They have been excluded from the public health emergency announcement, and due to the lack of accessibility, including to official website and application. Ensuring disability inclusion in global effort is that essential. We can't afford to have one in every seven people excluded from efforts to respond and recover from the crisis. Sometimes all it takes, it's just change of mindset, change of attitude, community of individuals towards people living with disability. If the United Nations adopted the Convention on the Right of People with Disabilities became a reality in 2006, it is primarily due to the work undertaken by organizations such as Global Rainbow Foundation to change the attitude of the world towards people with disability. At the heart of the Convention of the Rights of Persons with Disability is the very idea that we should stop viewing people with disability as objects of charity, medical treatment, social protection, but rather view persons with disabilities as subjects with rights, who are capable of claiming those rights and making decisions for their own lives based on their free, informed consent and well-being, active members of the society. The Agenda 2030, the SDGs, is very sensitive to this issue of people living with disability. If I was to read every sentence that
talks about what the world should do to include people with disability in development agenda, we will be here until tomorrow. But I will choose only two of them. One is education, and I will tell you why. So goal number four on inclusive and equitable quality education and promotion of life learning opportunity for all focuses on eliminating gender disparity in education and ensuring equal access to all levels of education and vocational training for vulnerable, including persons with disability. In addition, the goal calls for building and upgrading education facilities that are child, disability, and gender sensitive and provide safe, non-violent, inclusive, effective learning environment for all. Why did I choose this specific, even if all SDGs, you know, talk about this? It's because in my own life, I grew up in a village. When you have to go to school and there is little money to support all the seven children or 10, you know, in African context, families are very large families. Parents decide first, the first person who will be removed from school is the person, the kid with disability. So it is an individual also decision. That's why I chose this very particular education. And the impact of education, if a kid is not granted a chance, an opportunity for education, the consequences will be permanent. And my elder brother here, who is a former director for UNESCO, knows. The second SDG that I will choose for the sake of time is 17, goal 17. Stresses that in order to strengthen the means of implementation and revitalize global partnership for sustainable development, the collection of data and monitoring and accountability of SDGs are crucial. Member states are called upon to enhance capacity building to support developing countries, including the least developed countries and small island developing states, which Mauritius is part of, which will significantly increase the availability of high quality, timely, reliable data that also include disabilities, that also disaggregated by disability. Availing information, data to high level decision makers about how people living with disabilities are excluded in education systems, in employment systems, because employers think they can't work. It will also trigger decisions and policies like what Rainbow is doing. In conclusion, however, despite those gains and behind rhetorics, we know that still today, people with disabilities have been consistently left behind in development gains and their participation in development processes and decision-making. Convention are nothing without action. For a truly transformative, lasting change for persons who are too often left behind, we need to make sure that we meaningfully engage persons with disability and not just see them as a vulnerable population, but as an actor, as actors of change. Disability inclusion cannot be approached in a standalone or piecemeal. We need an integrated and coherent strategy. It needs to be promoted across all policies and programs. The issue of disability needs to be understood as a multidimensional development human rights issue. As such, I wish to commend the Global Rainbow Foundation for its advocacy and efforts for the enactment of the long-awaited disability bill in Mauritius. Before I conclude, allow me to congratulate again Global Rainbow Foundation for a new wonderful work you are doing and make sure no one is left behind. Now this is the end of the speech prepared for me. But before I conclude, in my other life, I play music.
So my brother, you have a guitar. I'm going to sing happy birthday to you. Oh, wonderful. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Rainbow. Happy birthday to you. Thank you. Thank you very much, Mr. Banabwana, for those encouraging words and also for this beautiful song. You have a beautiful voice. We'll sing afterwards when cutting the cake. So, Mr. Banabwana, we have learned very much about the SDGs. So we look forward to having the collaboration and support of the UN and your personal support for the GRF to be able to reach the SDG 17, as you mentioned. Thank you very much. Now we move to have the next speech, but Mr. Vincent Descher, the ambassador of the European Union to the Republic of Mauritius and the Republic of Seychelles, will unfortunately not be among us today because there is a visit of a very important delegation of ambassadors of European Union in Mauritius. But he has been so kind to send to us his video message. So let's hear his message. Thank you. Bonjour à tous. 10 ans au service des hommes, des femmes, des filles, des jeunes, personnes âgées, en situation de handicap. Tout ceci mérite une immense reconnaissance et un très très grand respect. Être aujourd'hui l'invité d'honneur pour célébrer le lancement des célébrations marquant ce 10e anniversaire de la Global Rainbow Foundation est un réel honneur. Je tiens à féliciter toute l'équipe de la Global Rainbow Foundation pour le travail considérable qui a été réalisé au cours de ces 10 années sous le leadership de son président, le professeur Arongbeum Parsuraman, où chacun connaît à la fois l'engagement, la dévotion et l'enthousiasme, qui ont permis de redonner un sourire sur le visage de ceux qui sont en situation de handicap ici. Je tiens cette occasion à partager avec vous quelques réflexions. Les personnes en situation de handicap sont tout d'abord plus exposées au risque de pauvreté et d'exclusion sociale. Elles peuvent aussi être confrontées à une discrimination structurelle lors de l'apprentissage et des études, lors de la recherche d'un emploi. Protéger les droits des personnes handicapées est donc une priorité indiscutable. Quel que soit leur sexe, quelle que soit leur origine raciale ou ethnique, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur conviction, quel que soit leur âge ou leur orientation sexuelle, les personnes handicapées doivent pouvoir participer au même titre que tous les citoyens à notre société qui va être une société inclusive. Cela signifie avoir un accès égal, y compris à l'éducation, à l'emploi, aux soins de santé, au système démocratique, par exemple au droit de vote, et aussi la justice, faire respecter. L'Union européenne vient tout juste de lancer sa stratégie 2021-2030 sur les droits des personnes handicapées. À travers cette stratégie, nous nous engageons à renforcer notre rôle à l'échelle mondiale en tant que défenseurs des droits des personnes handicapées. Notre objectif est d'apporter, à travers toute cette activité, des changements visible et positif dans la vie des personnes handicapées, que ce soit dans l'Union européenne ou dans le reste. Pour conclure, nous devons garantir que le droit des personnes en situation de handicap et la crise actuelle du coronavirus n'est pas simplement une crise, c'est aussi transformer une crise en une opportunité. Une opportunité pour construire demain une société plus juste entre nous. Je souhaite donc
excellent 10e anniversaire à tous les membres de la Global Rainbow Foundation, à son président bien sûr, et surtout une bonne continuation. Parce qu'il faut continuer, il faut perdurer, il faut continuer d'agir, il faut toujours chercher à améliorer notre société pour qu'elle soit plus juste. Merci, Monsieur Deger, pour vos mots d'encouragement. Le GAF vous remercie aussi pour votre support et votre collaboration. Nous vous assurons que nous allons terminer le projet Enable Mauritius Leave No One Behind, Persons with Disabilities, avec succès. Et nous remercions aussi pour le support que l'Union européenne nous donne. Maintenant, j'ai le plaisir d'inviter M. Kassamoutim à prendre la parole. Mr. Kassamoutim is the ex-president of the Republic of Mauritius. He served as a second president of Mauritius from 30th June 1992 to 15th February 2002. He is the longest served president of Mauritius, having served for nearly 10 years. Mr. Kassamoutim is also a member of the Global Leadership Foundation, an organization which works to support democratic leadership, prevent and resolve conflict through mediation, and promote good governance in the form of democratic institutions, open market, human rights, and the rule of law. So Mr. Kassamoutim, the floor is yours. Thank you very much, former Vice President of the Republic, Professor Amugompa Suramen, representative of the UNDP, distinguished guests. It's a great honor for me to have been invited to this celebration, which indeed it is. We are meeting in a very difficult period, but the organization has felt that it is necessary to celebrate, and I entirely agree with it, to celebrate the 10th anniversary of the foundation of Global Rainbow Foundation. I'm going to follow the example set by its founder, member, and president, my good friend Amugompa Suramen, and switch to our language, so that the message may be properly conveyed to one and all. On tient content donc remercier infiniment mon camarade Paul Suramen pour l'invitation qu'il nous fait moi encore une fois pour participer dans la célébration l'anniversaire Global Rainbow Foundation. Cette année-là, il y a une année spéciale, 10e anniversaire. Et si nous besoin, comment nous besoin aujourd'hui, c'est parce qu'il nous tous finissons handicapés. Aujourd'hui, pas un du monde qui est handicapé, mais l'ensemble de la population du monde, et de Maurice en particulier, nous sommes handicapés parce qu'ils ne sont pas capables de sortir pour nous joindre, nous ne sommes pas capables de faire une rencontre, sinon nous devons observer social distancing, nous devons mettre masque, nous devons couvrir nos figures, nous besoin 10 fois par jour lave-nous la main. Donc nous trouvons-nous dans une situation qui fait de chacun d'entre nous un démon qui peut souffrir d'un certain handicap. Et ça fait nous prendre conscience du fait qu'il y a une personne handicapée de pareil comme nous de tous les jours. La vie continue avec ou sans handicap. Un démon qui souffre d'un certain handicap aussi capable que n'importe qui d'entre nous pour accomplir une mission qui nous donne nous-mêmes ou alors qui l'opportunité donne nous-mêmes. Moi, je suis content de rappeler ce qu'il m'a déjà dit avant, la convention relative aux droits des personnes handicapées. C'est une convention qui est en vigueur le 3 mai, comme on connaît. C'est une
le 3 mai 2008 et fut ratifié par l'État mauricien il n'a plus que 10 ans. Et, mais depuis sa, 10 ans, depuis sa ratification-là, nous avons compris à TAN qui, comment dire, le gouvernement mauricien met en œuvre ben, mesures pour que sa convention-là soit réellement en vigueur. C'est pourquoi Global Leadership Foundation fait insister depuis longtemps déjà pour que nous ayons dans nos pays l'introduction dans l'Assemblée nationale d'un projet de loi concernant ben, personnes qui souffrent d'un handicap et qui nous appelle le Disability Rights Act. Je me rappelle que M. Passouramen prend l'engagement pour qu'il y vienne de l'avant avec un projet de loi, avec copie d'un projet de loi pour aider le gouvernement mauricien. Il finit fait aller. Il finit présent avec l'aide des experts locaux et internationaux. Il finit présent un Disability Rights Act ou alors un Disability Rights Bill. Et c'est au gouvernement maintenant d'aller de l'avant et pas aucune raison qui fait vous parler, vous amène la loi pour couvrir l'ensemble des bonnes problèmes qui bonne personne âgée rencontrée afin qui afin qui permet de gagner les mêmes facilités que les autres afin qui permet de être aussi inclus dans la société comme tous les autres. Au fait, aujourd'hui, nous parlons de plus en plus des droits des personnes handicapées, les droits à l'égalité. Une personne handicapée et tous les autres sont égaux, non seulement égaux dans les droits, c'est-à-dire les mêmes droits que tout le monde, mais les autres bisins et non les mêmes chances, les mêmes opportunités que tout le monde. Aussi, je félicite Global Leadership Foundation, Global Rainbow Foundation, et en particulier ce président, pour tout ce qu'ils ont fait pour amener de l'avant ce projet. Mais ils n'ont pas de faire que ça pendant sa 10 dernières années-là, et nous finissons l'occasion d'écouter lui à travers les différents orateurs qui viennent précéder moi, en particulier à travers sa vidéo-là, nous finissons trouver que pendant sa 10 ans-là, toute bonne activité, toute bonne œuvre qui finit accomplir par Global Rainbow Foundation pour aider bonne personne qui peut souffrir d'un handicap, pour permettre aux autres de regagner la possibilité pour amener la vie normale, comme tout le monde des autres du monde. En tout cas, c'est que je fais un travail exceptionnel et me tenir en félicite non seulement Kamarada Amogampo-Souramen, mais aussi tous ceux qui peuvent travailler, qui peuvent aider ça, l'organisation-là. Je suis content aussi de faire mention de ça. Publication qui vient de sortir et me donne une copie aujourd'hui même, I Rise 2021. C'est la preuve, c'est un travail extraordinaire. C'est la parole qui est donnée à 21 personnes qui souffrent d'un certain handicap ou un autre. Et il démontre où qui quantité de personnes-là sont aussi capables, sinon plus capables dans certains domaines que les autres du monde. Qui disent je n'ai pas souffert d'aucun handicap. C'est une leçon de vie extraordinaire. Moi, j'ai eu l'occasion de parcourir aller rapidement. Et les premières affaires qui m'ont observé, c'est que l'handicap n'a pas de figure. De toutes les couches sociales et de toutes les communautés, il y a des gens qui souffrent de handicap. Et ça, livre-là, I Rise 2021, lit d'après moi, un des bons moyens pour qu'ils nous capables de donner l'encouragement nécessaire à des gens qui souffrent d'un handicap afin qu'ils soient capables de regagner l'assurance dans eux pour reprendre courage et aller de l'avant et ensuite ça capable permettre les autres des gens également pour vite de l'avant pour venir aider l'organisation Rainbow Foundation. Un deuxième
deuxième publication qui m'ont gagné ce matin de la part de Monsieur Mugumpasuramen, et d'une faire mention de ça, c'est ce Master Plan pour 2021-2030. Ça aussi, je pourrais dire rapidement, et c'est un programme gouvernemental, et je recommande que le ministère de la Sécurité sociale, pour ne pas dire le gouvernement dans sa totalité, prend connaissance de ce plan-là et copie-le, parce qu'il ne pas quoi il ne copiera ce plan-là. Monsieur qui M. Ponsoramène vous donne l'autorisation au gouvernement pour suivre tout ce qu'il peut suggérer, bien faire pendant les 10 prochaines années. Si ce plan-là seulement arrive à être suivi, nous sommes capables de dire qu'il nous fait un grand pas à donner l'égalité de chance, l'égalité de droit et l'égalité de chance à tout ban handicapé de nos pays. Mais pour terminer, en souhaitant, comme M. Ponsoramène vient de faire, qui est la relève soit là pour qu'il y ait un grand travail qu'il finit d'entreprendre à partir de 2011. Ce grand travail-là continue. Et lui-même, il pourrait rester pendant encore longtemps, il n'a aucun doute. Mais seulement qu'il n'est pas sûr qu'il la relève pour là quand lui et les autres, comment lui, pas pour là au sein de Global Rainbow Foundation. Je souhaite une longue vie à Global Rainbow Foundation. Il me fait un appel pour qu'il y ait des sponsors qui aident l'organisation-là, continuer à faire lire et m'invite à l'autre bon individu, l'autre bon individu dans nos pays et ailleurs dans le monde pour aider l'organisation, pour aller de l'avant, pour mener à bien sur l'objectif, sur mission et sur vision. Merci. Merci beaucoup, M. Kassamouti, notre chief guest d'aujourd'hui. Nous remercions pour votre support. Et comme vous savez, votre support est très, très important pour le GRF, surtout dans la lutte pour avoir une loi cadre pour les personnes en situation d'handicap. Nous attendons aussi, dans les années à venir, que vous nous accompagnions dans cette, ce qu'on en dit en anglais, cette fight, cette lutte pour avoir cette loi cadre. Merci beaucoup, M. Kassamoutim. Maintenant, nous avons le plaisir de demander à M. Philippe Balin de vous adresser quelques paroles, quelques mots. M. Philippe Balin est président fondateur d'un ONG en France, le APIRJSO, donc il est le directeur général. M. Balin est aussi un très proche collaborateur de la Global Rainbow Foundation et sa fondation nous aide beaucoup. Hier, lors de son intervention avec l'Union européenne, il nous a dit qu'il est venu avec des excès de poids parce qu'il a apporté des donations pour la Global Rainbow Foundation. Monsieur Balin, c'est à vous. Monsieur le Président fondateur, cher Parsu, cher Dorine, joyeux anniversaire à toute l'équipe. Je suis Philippe Balin, donc président de l'Association des handicaps et directeur général de la APIRJSO. J'ai pu constater le chemin parcouru depuis 2011. GRF comptait 3 personnes aux côtés du président fondateur et aujourd'hui plus de 50 personnes, dont une grande proportion de personnes en situation de handicap. Nous avons signé un partenariat avec The Handicap, mais aussi avec notre association, la APIRJSO. Nous avons démarré notre collaboration sur l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le travail. Et je vois aujourd'hui tout le placement que vous faites, Monsieur le Président, dans les banques, les hôtels sur Maurice, avec les personnes en situation de handicap. Je vous remettrai tout à l'heure, au nom de l'association APIRJSO et de Handicap, des aides techniques pour les personnes sourdes et malentendantes et des aides techniques pour les personnes déficientes visuelles. J'ai lu avec beaucoup d'attention The Master Plan 2020-2030. Et je vois que nous sommes obligés de poursuivre cette collaboration sur la dizaine de prochaines années. Notre collaboration, mais bien sûr notre amitié aussi. Joyeux anniversaire, mon cher Parsu, joyeux anniversaire à l'équipe de GRF. Merci. Merci, M. Balin. Nous sommes très heureux de la collaboration que le GRF a avec vous. Et nous sommes heureux que nous rendons visite à l'île Maurice.
Maintenant, je vous invite à voir le message des staff de le Global Rainbow Foundation. As you know, the success of an organization depends on a large extent on the contribution of its staff. At the GRF, there is a very competent, dynamic, and committed staff, especially I would stress on committed staff who have brought the GRF to where it is now. So let's see, let's watch the video message of the staff of GRF. Bon anniversaire Global Rainbow Foundation. Depuis que GRF est né le 11 novembre 2011, nous toujours travaillons pour un seul jour. C'est un vivant du monde et qui vient de la société. Et pour qu'il nous réussisse, par exemple, vous allez remercier M. Postwaman et tout le monde qui est volontaire qui nous aide. Donc, GRF nous commande une famille. Et c'est grâce à la force de sa famille-là que nous pouvons continuer avec nous. Et comme vous pouvez célébrer le 10e anniversaire, sans avoir pensé 5 ans d'ici là comme étudiant de GRF, ça me fera motiver pour aider une personne en situation de handicap. Je garde un très bon souvenir d'un bénéficiaire qui finirait gagner la joie de vivre grâce à la prothèse du Rainbow Foot. Nous venons d'avoir un témoignage que d'autres viennent dire qui prothèse pas juste un aide pour d'autres, mais surtout un moyen de liberté et de la dépendance. Nos deux techniciens et moi-même, vraiment fiers de faire partie de la grande famille Global Rainbow Foundation. Bon anniversaire à Global Rainbow Foundation. Félicitations à Global Rainbow Foundation qui fête cette année-ci ce 10e anniversaire. Un grand merci aussi à tous nos sponsors, collaborateurs et les membres du public pour votre soutien et confiance. Bon anniversaire à Global Rainbow Foundation. Je tiens à remercier tous mes bons collègues qui passent ici pour faire de bons services et soins médicaux, mais aussi je reste toujours à l'écoute de tous nos bons patients. Je remercie tous mes bons collègues du centre de réhabilitation pour son excellent travail que vous avez fait là. Joyeux 10e anniversaire à la Global Rainbow Foundation. Vous avez un privilège de travailler à la Global Rainbow Foundation pendant plus de 5 ans. Et mon responsable du département de formation pour les personnes en situation de handicap, moi-même et mon équipe qui travaille au Forum des jeunes en situation de handicap pour le monde du travail. Une vision de la Global Rainbow Foundation, c'est qu'il croit en une société inclusive et qu'il envie vite les personnes en situation de handicap et les autres personnes dans la société. Qu'on veut dire, normalement, pour éduquer quelqu'un, c'est aussi donner une possibilité demain d'avoir une chance dans la vie, peu importe quel type de handicap qu'il y ait. Non. Donc, c'est justement nos buts au niveau de la GRF Training Academy. Donc, moi et mon équipe, c'est justement ce qu'il me fait et qu'on apporte ce soutien à toutes les personnes qui sont dans ma situation de handicap. En tant que responsable du développement de l'initiative, un service qui est dédié aux donations d'un appareil d'assistance, vous vraiment ressenti une satisfaction à chaque fois qu'il y a un bénéficiaire de recevoir ce wheelchair motorisé, adapté et bien les autres appareils qui vous donnent une bonne foundation pour faire. Quand vous guettez ce sourire, c'est vraiment un autre sentiment même ça. Sur ce, joyeux anniversaire à Global Rainbow Foundation. Dans 10 ans d'existence de la Global Rainbow Foundation, nous reconnaissons un bon bénéficiaire qui peut inspirer nous tous les jours par sa volonté pour vivre la vie pleinement. Et au sein du département de la communication, nous nous toujours abordons un reportage de nos bonnes personnes en situation d'handicap, que ce soit pour aussi ce handicap, mais aussi cette capacité. Bon anniversaire, Global Rainbow Foundation! Monsieur de la Global Rainbow Foundation, et si vous avez une joyeuse du jeune anniversaire, vous espérez nous continuer à créer vos espérances dans les années à venir. Joyeux 10e anniversaire Global Rainbow Foundation. Ouais. Bon anniversaire à Global Rainbow Foundation. Je souhaite GRF un joyeux anniversaire. Happy birthday. Happy anniversaire. Joyeux 10e anniversaire à Global Rainbow Foundation. Bon anniversaire à Global Rainbow Foundation. Bon anniversaire GRF. Viens me faire partie de la grande famille GRF. De la Global Rainbow Foundation et bonne chance pour votre année de vie.
Happy 10th anniversary, GRF. Wishing you all the best of success for the coming years. Happy 10th anniversary, Global Rainbow Foundation. And good luck for the coming years. Good luck. Nous sommes fiers de vous, l'équipe, le Global Rainbow Foundation. On a pu voir sur vos visages cette joie de travailler pour le Global Foundation. Et je vous demande, le GRF vous demande de continuer à apporter tout votre know-how, toute votre attention à la Global Rainbow Foundation. Je ne dis pas dans 10 ans, mais peut-être dans 30 ans, on va vous voir encore travailler avec l'équipe de Global Rainbow Foundation. Encore une fois, on vous remercie. Applaudissons notre équipe. Maintenant, on va... quand on parle de Global Rainbow Foundation, il ne faut pas oublier que nous avons aussi les sponsors. Nous avons les bénéficiaires, sponsors et aussi bénéficiaires, ça marche ensemble. Mais comme aujourd'hui nous sommes, on dit online, nous avons les messages de notre sponsor, de notre collaborateur, aussi bien que nos bénéficiaires. Donc, on va regarder ce vidéo, premièrement, de notre sponsor, nos collaborateurs. Après, ce sera les bénéficiaires pour voir quel est le sentiment, comment ils ont réagi en recevant les assistive devices ou d'autres types de dons. En 2011, quand on crée Global Rainbow Foundation, vous voulez dire qu'on commence par l'activité pour mon propre savings qui me diffère, parce que quand on fait créer une organisation NGO dans Maurice, vous attendez 2 ans pour capable éligible pour gagner CSA. Heureusement, quand les 2 ans sont finis, nous sommes capables de mobiliser mon fonds de mon compagnie à travers le CSA et ça fait permettre de nous démarrer nouvelle activité. Et là, on a une pensée spéciale pour tous les sponsors. Tous les sponsors qui nous font confiance, qui croient dans ce qu'ils nous font et qui n'habitent pas fin de guetter concrètement qui nous peut faire. Et notre premier grand projet, c'était offert prothèse à 150 personnes amputées. Et ça, vraiment, c'est un déclic. Ça, vraiment, fait convaincre la communauté mauricienne, l'entreprise, la société. Et à partir de là, vous vous êtes dit, ça fait une porte d'ouverture. Et pendant ces 10 ans-là, beaucoup de nos sponsors sont accompagnés, sont soutenus nous. Et bien souvent, nous même de venir voir nous pour dire nous, nous avons foncé ça, nous connaissons qui Global peut faire et nous pouvons accompagner. Ça, vraiment, nous extrêmement reconnaissant. Et Global Rainbow Foundation pour toujours remercier ces sponsors là et rassurer eux que chaque roupie qu'ils ont donné nous, nous vous servir au maximum au service de ma personne en situation de handicap d'aujourd'hui. Warm congratulations to the founder and president, Mr. Arumugam Parasuraman, and all the dedicated members of the Global Rainbow Foundation team on this, your 10th anniversary.
The Commonwealth of Learning has developed a special relationship with the Foundation, a relationship grounded in a shared commitment to equity and inclusion, especially for persons with disabilities. The CAL GRF partnership has led to increased institutional capacity in online course provision, as well as expanded access to learning for persons with disabilities and those who serve them. As you enter your second decade, CAL salutes you and assures you of continued support as together we work to build capacity and equity in online learning. I wish a very happy and heartfelt anniversary to the Global Rainbow Foundation for 10 years of hard-earned and worthy success. A big congratulations to Professor Amogam Barsamen and his whole team, past and current, on achieving this great milestone. I applaud GRF's noble mission to serve the most vulnerable groups in our community, and it is a privilege for me to join them in their cause to support people living with disability nationwide. As the world advances, it is important that we all advance together and leave no man behind. Let's all join and say no to discrimination against people living with disability. Depuis deux ans maintenant, l'ONG Step by Step est très heureuse de collaborer avec la Global Rainbow Foundation pour le traitement des enfants qui naissent avec des pieds beaux. Et nous tenions en ce jour à remercier tout particulièrement Monsieur Parsuramen et toute l'équipe de la GRF pour leur accueil et pour leur soutien, leur partenariat depuis ces deux dernières années. Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à la GRF et vraiment nous vous souhaitons encore 10 années pleines de succès et de réussite pour tout ce que vous faites pour toutes ces personnes en situation de handicap. Merci encore. Merci beaucoup à tous les mots encourageants de nos collaborateurs. Au fait, très important pour le Global Rainbow d'avoir la collaboration des personnes d'autres pays et même à Maurice, parce que nous apprenons ce qui se fait dans d'autres pays et on a aussi l'opportunité d'avoir des liens technologiques dans le développement. Des assistive devices pour les personnes en situation de handicap. Maintenant, nous allons procéder au lancement de ce qu'on appelle le GRF Coffee Table Book, le livre iRise. Et ce livre iRise, comme M. Parsuramen a dit, c'était une compilation de l'histoire de certaines personnes en situation de handicap. Dans ce livre, vous allez voir des très belles photos aussi qui montrent comment ils ont pu arriver à maîtriser cette situation. Donc, c'est un livre avec des histoires très enrichissantes, très positives. C'est un message d'espoir pour toutes les personnes en situation de handicap en parcourant le livre de iRise. Maintenant, M. Parsuramen va procéder au lancement de ce livre de iRise. Mais avant qu'on va au lancement du livre de iRise, laisse-moi juste mentionner que ce livre a été fait. Hein, c'est la seconde édition de iRise, c'est l'édition de 2020. Que vous avez certainement eu l'occasion de lire, maintenant c'est l'édition de 2021, qui a été fait en collaboration avec l'équipe de Atoba, le Regent Press, et surtout de M. Rama Yassapa, qui est le directeur de Sales et Marketing et Publication de GRF. Donc, au nom de GRF, on remercie tout le monde pour leur contribution et la réalisation de cet excellent livre iRise 2021 que je recommande tout le monde de lire. Monsieur Parsuramen maintenant va procéder au lancement de ce livre. Merci. Merci Dorine. La graphic designer qui a fait un travail formidable pour nous pour iRise 2020 et iRise 2021. Je suis vraiment très 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 reconnaissant envers l'équipe d'Atoba. Parce que grâce à ces partenariats, on a pu réaliser
ces deux publications. Merci Florent et merci Linda. Et merci à Didier Niani, Regent Press, qui a assuré l'impression du livre à temps pour qu'on lance officiellement le livre aujourd'hui. Et j'invite la population mauricienne de s'assurer qu'ils ont une copie du livre qui sera en vente à partir d'aujourd'hui. Et donc, prenez une copie de ce livre, vous allez voir, vous-même, vous allez découvrir les talents qu'on a parmi les personnes en situation de handicap. Ces 21 personnes, ce sont des personnes extraordinaires, exemplaires. Il faut les féliciter et les remercier aussi d'avoir donné du temps pour qu'on réalise cette publication. Alors, je remercie Rama El Sapa, qui était responsable de la publication, et Pooja Enasukan, qui a beaucoup travaillé pour réaliser cette publication. Je vais demander au M. Raoul Bandan, ancien vice-président, il y a deux mots par rapport à cette publication et on va lancer le livre. I would like to associate myself, you, Dasen. Dasen is the nickname of our friend, Pastor Amen. Many people don't know, but those who are intimate to him know him by the name of Dasen. God bless you. It's a wonderful work that you have done. And it is indeed a great pleasure to see you so young and dynamic at the age of 70. And God will bless you to continue this wonderful work you are doing for those who are handicapped. And it is a pleasure for me at this stage to launch this second edition of I Rise. And I hope people all over the world, not only in Mauritius, would like to read this book and get to know what you have achieved. And my prayer is that you continue in this great work and hope that you, as someone said earlier, you have done one decade of this great work, and let us hope there'll be another decade in which you will be involved with this great work that you are doing in favor of the handicapped people. Thank you once again, and God bless. Thank you. Thank you very much. Thank you. I have the pleasure to present the copy to our friend from UN Resident Coordinator. This way. I would like to thank former Vice President for his very kind message, and you will get a copy of the book will be delivered to your place, I Rise 2021. And I also recognize my colleague Ramdat Jadu. Thanks Ramdat for being with us. You will also receive a copy. And to Florent and Linda, today itself, we'll ensure that copies are sent to your office so that you can have them, and we'll meet you later for the real celebration of the launch of the book. Thank you. Merci beaucoup. J'espère que tout le monde aura le plaisir de lire ce livre et d'apprendre. On dit les leçons de la vie. Maintenant, nous procédons avec notre cérémonie qui dit anniversaire. On parle de cake cutting. Il faut avoir un gâteau pour fêter son anniversaire. Donc, nous allons procéder à le cake cutting cérémonie.
How old are you now? Cérémonie. Dommage que ceux qui sont online ne vont pas pouvoir manger un morceau du gâteau, mais on va penser à vous quand même. Alors, on va terminer et avant de terminer, je voudrais juste mentionner que le Global Foundation a nommé certaines personnes comme son ambassadeur, comme vous savez, Global Rainbow, à plusieurs personnes comme ambassadeur. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de nommer Madame Jenny Hulette Nelson, qui pratique le basketball en chaise roulante. Elle a été aussi le champion national en athlétisme et la natation. Elle est le président de Physically Handicapped Persons Sport Federation. Elle est aussi le secrétaire de Mauritius Paralympic Committee. Et elle a suivi beaucoup de training courses, de cours dans beaucoup de pays. Donc, nous sommes heureux de l'accueillir comme l'ambassadeur du Global Rainbow Foundation. Nous avons aussi nommé Miss Natasha Marie Hippolyte comme ambassadeur de Global Rainbow Foundation, ambassadrice de Global Rainbow Foundation. Elle a décret en sciences de l'Université de Maurice. Et elle fait beaucoup de travail volontaire avec beaucoup de NGOs, je nomme que quelques-uns, Foi et Lumière, Communauté des Roses de Cadbourne, et le We Disabilities Empowered Platform, Association pour les droits des handicapés, et il y a beaucoup plus encore des organisations dont elle travaille. Le Global Rainbow Foundation nomme aussi Miss Marie-Noëlla Meignier. Elle est née à Rodrigue et elle est un professeur de l'école primaire. Nous l'accueillons dans notre team des ambassadeurs. Le Global Rainbow Foundation nomme aussi M. Alain Laridon, qui est un former membre du Parlement, et on le nomme aussi comme de joindre notre équipe comme ambassadeur de la Global Rainbow Foundation. Le TIAF aussi a le plaisir de nommer M. Joseph Fanny, qui est à Agaliga. Il n'est pas Maurice, mais on le nomme comme représentant d'Agaliga à Maurice. Il va nous aider et il va aider le Global Rainbow Foundation dans sa mission de caring pour les handicaps à Agaliga. Le Global Rainbow Foundation, dans l'exercice d'étendre ses activités, comme nous sommes là, nous avons pu signer, parce que les personnes ne sont pas physiquement là, mais nous annonçons la signature des différents MOU. Il y a le Federation of Chinese Society, avec la Fédération de Chinese Societies
le Global Rainbow Foundation va pouvoir avoir un local et faire ses activités à Béthune-Tombo. Nous allons signer un MOU avec the Orally Handicapped Person Sport Federation, donc le président est M. Nishan Biari. Et avec cette MOU, le JRF va aider le Orally Handicapped Person dans ses activités et aussi la formation de ses personnels. JRF va aussi signer un MOU avec le Chagos Asylum People, donc la présidente Madame Pauline Claudette. Et à travers cette collaboration, le JRF va donner tout son support aux personnes de Chagos et surtout les personnes en situation d'handicap. Aussi, JRF et MKIDS, dont le président est Iman Chatuman. Cette collaboration va faire que le JRF va aider le MKIDS en donnant des medical services et des visites aussi des médecins qualifiés au MKIDS. Et le dernier MOU que le JRF va signer, c'est avec Vitiligo Mauritius Foundation. Donc, le président est Monsieur Nirish Nalam Nastili. Et à travers cette collaboration, JRF va aider le Vitiligo Mauritius Foundation à organiser des campagnes de sensibilisation à travers l'île en utilisant son plateforme de webinars et ses bureaux régionaux. Donc, nous allons procéder à la signature de ces MOUs. Merci Dorine. Je voudrais faire une annonce à l'intention de 21 personnes qui ont participé à la réalisation de iRise 2021. Je vois Daniel Wong qui est là. Je vois Nicolas Hippolyte aussi, Natacha Hippolyte, Sandana Vélien et d'autres. Alors, on va s'assurer qu'on va livrer chez vous personnellement une copie du livre iRise. Comme ça, vous allez prendre connaissance du livre et de l'article qu'on a finalisé pour vous. Alors, vous aurez ça assez rapidement. Avec ces quelques mots, je crois qu'on va terminer avec la musique d'Orine. Je remercie tous les participants, nombreux qui ont participé, qui ont assisté à notre cérémonie aujourd'hui online. Je dois souligner aussi la présence de Tony Constance. Jane est toujours avec nous en esprit. Et nous souhaitons à Jane bonne continuation dans ses études. Je voudrais aussi féliciter Priscilla Natu qui est avec nous et qui est aussi figurée dans les livres. Navin Gangana de l'Angleterre. Merci Navin d'être présent. Et encore une fois, je remercie aussi Madame Linda qui assure notre interprétation en langue des signes. C'est Global Rainbow Foundation, c'est absolument important de le faire et elle est toujours avec nous. Merci Linda pour votre collaboration habituelle. Et voilà, je crois que je m'arrête là. Et donc, on va terminer maintenant. Je laisse Dorine les derniers mots pour annoncer les derniers items qu'on a pour clôturer cette belle célébration, cette belle journée. Je signale aussi la présence de Bindia Binik. Merci Bindia et bonne continuation dans ton travail à PwC. Voilà, je passe maintenant Dorine pour les derniers mots. On termine toujours une célébration en musique. Vous êtes d'accord avec moi? Nous avons Miguel qui suit des cours dans notre programme de employability. Nous avons Randy qui est un trainer, un VI trainer chez nous. Et ils vont chanter une chanson de Bob Marley, Get the
and stand up. Hein, c'est une chanson symbolique pour ceux qui luttent pour les droits des personnes en situation de handicap. Donc, écoutons ces deux personnes qui sont venues avec la guitare, tout, hein, ils sont bien équipés, qui vont chanter pour vous. Cette célébration termine avec cette chanson de nos amis Miguel et Randy. Merci beaucoup que vous soyez, vous étiez présents à notre célébration. Et vous dire, je ne dis pas next 10 years, mais à l'année prochaine. Merci beaucoup. You will look for your mother, but now you see the light. Yeah, you stand up for your mother. Yeah, 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 yeah. Stand up. Yeah, yeah, stand up for your right. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. If it's been tired, I'm gonna get it. If it's been tired, I'm gonna get it. If it's been tired, I'm gonna get it. We know the truth. And we know where we're from. If you know you're coming from, now you see the light. Now you see the light. What we do is stand up for your right. Oh, yeah. Together, stand up. Stand up for your right. Together, stand up. And we not give up the fight. Together, stand up. What we do is stand up for your right. Get up, stand up, everybody. Don't give up the fight. No, don't give up the fight.